Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Alors, prêt pour un premier vol? Oui, tout prêt. Depuis le temps. Merci de ton accueil. Bon, tu vas être sur YouTube, hein, t'es au courant. Hein? Tu vas être sur YouTube hein, maintenant. Ah oui, bah oui. Tout le monde va te connaître. Hein. J'ai, voilà, on a signé pour. Hein. Ouais, ça fait partie du jeu. Bon. Alors, on devient sérieux un petit peu, voilà. Dernier sol de Fox Novembre Alpha à l'avitaillement. Donc, les sols de Fox Novembre Alpha demandent de roulage pour un vol à destination de Saint-Cyr. Fox Novembre Alpha, transformé à 3721, roulez point d'attente piste 26-8, rappelez prêt. 3721, je roule le 26, point d'attente 26-8, je rappelle prêt. Fox Novembre Alpha. Novembre Alpha, piste 26 dur, vent 250 degrés dîner, autorisé décollage. La verticale est trouvée, RAT pour quitter. APS 28 à l'envol de la durée également en tour de piste. CRC pour le trafic, verticale approuvée, on appelle pour quitter, autorisé décollage. 26 dur, Fox Novembre Alpha. Ok, 260. Forme la tour, bonjour, après le départ du Robin, okay, alignez-vous 26 dur et attendez. La pompe maintenant. Après le départ du Robin, remanie et attend. Bravo Zoulou, autorisé option 26 gazonné, vent 260 degrés dîneux. Autorisé à l'option 26 gazonné, bravo Zoulou. Ceinture acquis, badin, actif, pas d'alarme. On n'a pas fermé la verrière. Ah, ferme la verrière, ouais. 54 nœuds. Tire. 70 nœuds. On reste dans l'axe. Voilà. 36. X-ray uniforme Tecnam au toucher de la 26 gazonné. Gardez le visuel, autorisez décollage piste 26 dur, vent 260 degrés dîneux. Piste 26, X-ray uniforme, autorisez décollage 26 dur. Ok, 650 pieds. 180. Allez, pour Bravo Zoulou, on a remonté l'issue de la gazonnée pour amener la chauffe. Appel vertical pour débuter, Bravo Zoulou. Appel vertical pour débuter, Bravo Zoulou. Et pour info, on souhaitera donc un report vertical, mais ça sera un exercice face au nord. Ok, je vais voler. Ah, il a envie de bouger là. Fox Alpha Golf en vent arrière pour piste 26 dur. Alpha Golf numéro 1, rappelez final, piste 26 dur. Numéro 1, on rappelle en finale pour piste 26 dur, Fox Alpha Golf. Ville 200 pieds. Tango Delta La Tour, bonjour, à niveau piste 26 dur, autorisé décollage en 260 degrés dîneux. Bonjour, autorisé décollage, on fatigue sur la piste 26 dur, Foxtrot Delta. Oscar Victor, transporteur 7450, 104-2. Oscar Victor, 7000 en quittance. La verticale, il est 39. 38. Et voilà, ça y est, c'est parti.
On y est. Ouais, donc faut pas galper sur le bouton. Donc on va quitter... Tu vas passer comment? Tu vas le longer par l'est, les villes? Ouais, en fait je vais passer entre les deux là. D'accord. Je vais sur la... qu'on appelle ça? La ligne de tension. Ouais, d'accord. Et ça puis ensuite je vais sur novembre. Quand tu seras entre les deux, je quitte. D'accord. Novembre Alpha, 7000, vous pouvez quitter à tout à l'heure. 7000, on quitte à tout à l'heure, Fox Novembre Alpha. Je vais garder en réveillé comme un blague. Tout à fait, ouais. Bon, voilà. Ah bah tiens, tu vois, regarde. Golf, autorisé toucher piste 26 dur, vent 240 degrés, 8 9. Autorisé au toucher piste 26 dur, Fox Novembre Alpha. Si je pouvais pas oublier le transpondeur, ce serait pas mal. Ouais, bravo Zoulou, on approche la verticale 1400 pieds face au nord. Bravo Zoulou, débutez l'encadrement, vous voulez quelle piste? Bah, à votre convenance. Les deux seront dispo normalement. J'ai un PS28 en courte sur la dure et la gazonnée est disponible. Bon, on va prendre la gazonnée, bravo Zoulou. Sur AP courte 26 gazonnée, bon. Rappel en courte 26 gazonnée, bravo Zoulou. Ok, je vais appeler Belin. Ouais. Belin de Fox, Golf, Novembre, Novembre Alpha, bonjour. Belin de Fox, Novembre Alpha, DR400 en provenance de Logne et destination de Saint-Cyr-l'École. Vertical du point Novembre estimé à 42. On est à 1500 pieds QNH. On rappellera vertical du point novembre 1500 pieds QNH pour transiter en direction du point Bravo et on est deux personnes à bord. On a pas la même heure, donc je suis un petit peu... Ah oui. Je suis avec mon heure en fait. D'accord. Oh bah c'est une belle journée. Ouais. Avec... Novembre est là-bas, c'est bien. Alors, et il n'y a pas beaucoup de courant d'air, alors on se fait secouer. Ouais, ça turbule un petit peu. Bon, je vais gagner du temps. LFFQ 129.75. Ah bah, c'est mieux quand on a ce genre de visibilité que celle que j'avais une fois. La vache. Ouais, c'est clair. Je voyais rien là-bas, c'est pas compliqué, je voyais rien. Même novembre, je sais pas. Enfin, tu me diras, novembre, j'étais occupé par un problème de flight plan que j'avais pas bien activé. Pour ça que tout à l'heure, j'ai regardé et j'ai dit ok, c'est bon, il est actif. Bon, on se fait chahuter, y a pas de doute, hein. C'est marrant, tu vois, t'as un flight plane qui fait des beaux virages comme ça. Ah ouais. Ouais, il fait tac tac. Et il fait pas ça loin? Non, il fait pas ça avec moi, il est pas sympa avec moi. Ah ouais. Mais ça marche bien. Ah bah oui, c'est clair. Il trace bien le truc. C'est okay. Clair. Bon, bah on arrive. Hein. Je vais dans une minute, je contacte. Alors, le truvant, c'est 234. Pour admirer le paysage. Hein. C'est la deuxième fois que j'ai oublié de lancer la deuxième caméra. Et tu vois, on n'a pas installé l'autre. Ah, merci, désolé, je peux pas. Ah, non, mais c'est pas grave, je l'installerai, je la surveillerai tout ça au retour. Bon, je contacte. Ouais. Valeur de Fox Novembre Alpha, vertical du point novembre 1500 pieds QNH. On prend le cap sur le point Bravo, on rappellera au point Bravo Fox Novembre Alpha. Alors on a du vide de face, ben comme prévu en fait.
Donc 234, c'est un peu plus par là quand même. Là-bas, à droite, on dirait un ULM. Ah oui, y'a pas de doute. Donc là, on évite les patelins, et ensuite on va viser les gros hangars là-bas, pour se faufiler au-dessus de... D'accord. Les installations de là sont ouais, quelque part à gauche, là si ça y est, voilà. Là. Ouais. Tu la sens, la sentence, hein. Ah bah grave. En fait, il m'a tendance à me foutre un 2500 tours là alors que tu touches pas, tu sais, c'est un magasin ça. D'ailleurs regarde, le résultat, bon, 150 pieds dans le nez. D'accord, donc moi j'ai jamais passé par là, c'est une, ah c'est oui. Une occasion pour moi de... Ouais. Moi je fais plus au sud de l'autre. Ouais. Ouais. Ah, c'est une bonne astuce là pour... Ouais, comme ça ça évite de prendre, de t'approcher trop près, d'une moment des tours de riz ou un machin, tac, tu te retrouves au-dessus, bon. Alors qu'en fait finalement t'as ça comme point de repère qui est hyper visible, et une fois que t'es là, t'en as l'autre là-bas. Et tu passes entre les deux, sans problème. T'as quoi là-bas? Bah, l'autre structure là, les grands toits et tout ce qu'on voit là, c'est un centre commercial énorme. Ah oui, oui, oui. Carré Sénard. Voilà, oui sans doute. Et là on a une visie sur Paris qui est impressionnante. J'ai rarement vu autant que ça, aussi bien que ça. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je vous mette un 2430 qu'un 2450, je vais voir. Truc idiot, tu sais. Je sens qu'il est plus stable à 2400, ouais, tu me diras. Adapte, hein. Ah là, tu regardes en dessous, t'as une zone machin là. Ouais. Et à droite, t'as les bâtiments, enfin les maisons, à gauche et à droite, tu passes entre les deux. D'accord. Astucieux. Alors, les grandes antennes là, Sainte-Assise. Par contre, il avait bien trimé pour 2450 donc. Ouais, je me disais, tu vois, on va trop sur les maisons là, effectivement, on est à gauche, à droite d'une, de l'axe. Bon, et puis bravo, on le voit bien là-bas. Ouais, on voit les deux hangars là. Ouais. C'est magnifique ça. Ah ouais. Là, c'est un carrefour en dessous là. Ah, il y a un terrain de baseball là, j'ai jamais vu. Il est juste en dessous de l'aile. Ah oui, d'accord. Ah, c'est du baseball ça? Moi j'en ai fait un an. Ouais. D'accord. Bon, je vois toujours personne, hormis l'ULM tout à l'heure que tu avais détecté là. Ouais.
Moi non plus. Je suis en veille. Mais c'est calme à Beaulieu, on n'a entendu personne. Hein. Ouais. En tout cas, on se fait secouer. Enfin, on se fait secouer. Bon, y a pas, l'air n'est pas stable. Ouais, c'est la turbulence, hein. Ouais. Bah, de toute façon, c'est la chaleur. On est au-dessus du sol chaud, là. Bah oui. Puis là, avec tout ce qu'il y a en champ, là, pas de problème. Donc, hein, on va le suivre. Et après, tu vois, j'avais noté. Donc, quand on est à Bâle-en-Cours, je prendrai le 281 sur 9 nautiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra qu'on dépasse de 20-30 secondes la Nationale 20. Pour ensuite que je prenne l'autre, qui sera 312 sur d'accord. RBT. Ah ben justement, tu vois. J'ai dit quoi sur RBT? 312. Ça sera fait, on n'en parlera plus. Voilà. Je reviens sur le CDI. On est bravo, il n'y a personne. Un petit peu d'ombre, ça fait du bien. Ok, je vais quitter. Hein. Madame de Fox Novembre Alpha, vertical du point Bravo, vertical du point Bravo 1400 pieds QNH, en sortie vers l'ouest, on quitte la fréquence, à tout à l'heure. Attends, je vais prendre la carte. Vas-y. Hop là. Donc est-ce que c'est nécessaire que j'appelle la Ferté Alain? Ouais, j'appelle toujours pour dire qu'on est là quoi. Ok, ça marche. Par contre on passe pas à vertical. Hein. Ah là on passe pas à la verticale, on est en train de à Bâle-en-Cours. Alors moi je leur dis toujours que je reste à 2-3 nautiques au nord. D'accord. Et que je. Et à toi que je prends mon cap vers l'ouest, je leur dis cap ouest à 3 nautiques. D'accord, ça marche. Installation. Et Bâle-en-Cours en principe c'est la ville qui est juste là. Ok. La Ferté étant ben, juste en face derrière. Donc on est passé à Bravo à 51. Non, je s'en fous parce que de toute façon je l'ai pas noté bravo. Donc tu vois ce que je te disais? On voit bien qu'il y a un rond-point, t'as la ville, t'as le rond-point, t'as vu, ça fait une grande enroulade comme ça à gauche. Ouais, ouais, ouais. La Ferté à l'aide Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, bonjour. La Ferté à l'aide Fox Novembre Alpha, DR400 en provenance de Logne à destination de Saint-Cyr-Nicole. On transite 2 nautiques au nord de vos installations d'ici 5 petites minutes et 2 personnes à bord. Le grand rond-point. Alors je vois le rond-point plus la grosse courbe. Ouais, ça voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on voit ici sur la carte quoi. C'est vraiment celle-là. Donc là on est dessus. Et il est 53. Voilà, et c'est là que je commence la navigation en vrai. Donc là je vais viser, l'attendre pour pouvoir viser et passer au-dessus de la forêt là. D'accord. Voilà, on y va gentiment. 281, je dis, on a un vent de face de 8 nœuds.
Voilà. Donc on le voit bien le terrain, tu vois, on est à peu près à un gros kilomètre. Le terrain est si près que ça, j'avais pas fait gaffe. On n'est même pas à 2 nautiques là. Non, un nautique. Ok. Donc je vais leur annoncer quand on est... Voilà, qu'on transite au nord vers l'ouest. La sortie allée de Fox, Novembre Alpha. On est travers nord de vos installations à nautique en direction de l'ouest à 1500 pieds QNH. En rappel pour quitter. Donc le prochain, ça sera 126.1 pour Paris Info. Oui, tu as raison. 126.1. Paris Info from Delta Echo Sierra Charlie Papa, bonjour. Pourquoi je suis déjà avec eux? C'est pas. Je me suis envolé. Heureusement qu'il a parlé lui. Ouais. Donc là, on a une ligne de chemin de fer avec la ville. Et donc celle-ci, là, voilà. Je remets dessus. Faut que je sois un peu plus près de la courbe, voilà. Faut que je sois quasiment au nord de la ville, là, tu vois, pour être sur l'axe. Ouais. Il y a un espèce de circuit de véhicule, là. Ouais, je vois. Il est marrant, ce... Ouais, c'est marrant. Ouais, les jeux quittent la Ferté. Ouais. La Ferté allait de Fox Novembre Alpha, on est à 1400 pieds QNH, au nord-est de vos installations, direction de l'ouest, on quitte la fréquence à tout à l'heure. Donc là je bascule avec Paris Info. Paris Info, Fox Sierra Oscar, en 5 minutes du Plessis Belleville, nous quittons la fréquence, écoutez, on le précise. Reçu Sierra Oscar, 7000, bon après-midi. Transpondeur, 7000, merci de vos infos, au revoir. Ah ouais, je sais ce que j'ai fait. Ok, je m'éloigne un petit peu à gauche volontairement. D'accord. Et je suis descendu un peu bas là, hop là. J'appelle Paris. Ouais. Paris Info, le Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, bonjour. Paris Info de Fox Novembre Alpha, DR400 en provenance de Logne à destination de Saint-Cyr-l'École. On est à 1400 pieds QNH, 5 nautiques au nord-ouest de La Ferté-Alais. Deux personnes à bord. Novembre Alpha, 70-11. 70-11, Fox Novembre Alpha. Eco India avec SEN 120-325, Fox Eco India, au revoir. Ce qui m'a gêné là, tu sais ce que c'est? Non. C'est que j'arrivais sur toutes ces villes là. Ah ouais. Donc justement, j'ai pris une trajectoire où vous passez pas sur les villes, évidemment. Et la seule endroit, c'est qu'on était ici, effectivement, j'ai été un peu trop près du... D'ailleurs, tu vois, j'aurais dû jouer avec le... Avec le vent. Et je l'ai pas fait. Donc là, il est complètement à droite, je suis pas sur le 312. Donc je passe entre les patelins, même si, ouais, celui-là c'est un gros là, faut l'éviter. Paris Info de Fox Eco Romeo en descente à 2500 pieds. Reçu Eco Romeo. Ah ok, non, je suis compris. Je suis en train de tout mélanger.
Paris Info, Oscar, Oscar, Romeo Charlie Papa. On n'a pas encore passé la Nationale 20, donc le 312, je l'oublie. Par contre, on n'aurait pas trop tardé à la passer là. Oscar, Oscar, Romeo Charlie Papa, bonjour. Bonjour, the Oscar, Oscar, Romeo Charlie Papa is a Robinson 44 helicopter for VFR, the Lima Fox, Alpha Fox, to Zulu, 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 Rosal, Romeo, Oscar, Oscar, Sierra, Delta, Alpha, Alpha, Lima, now airborne in Lima Fox, Alpha Fox, squawking 7000 for BOB and requesting to open the flight plan. Oscar, Oscar, Romeo Charlie Papa, airborne time 25 minutes. Confirm departure 25 minutes ago? No, 25 minutes after the take the time. So only 5 minutes ago. Oscar, Oscar, Romeo, Charlie, Papa. I open the flight plan at 1255, it's correct? Takeoff time was 12:50. Oscar, Oscar, Romeo, Charlie, Papa. Copy the European flight plan at 12:50 and squawk 7021. 7021 and you will open the flight plan. Oscar, Oscar, Romeo, Charlie, Papa. Bon, il y a un truc qui ne va pas sur le vent. Il peut pas être 330 à droite du truc. Paris Info, de Fox 6, de fois bonjour. Par contre, on s'approche de Paris. Ah ouais. Voilà, il faut qu'on prenne bien à gauche. Ouais. Deux fois, bonjour. Fox Juliet Uniforme XAXA, ULM 3 Jacques, 2 personnes à bord. Le Verdun à Dieppe, 7000 transpondeurs pour un pot de vol. XA deux fois, 7001. 7001, XA deux fois. Bien over. Ah non, je sais pas, on n'est pas forcément sur le bon, apparemment. C'est ça qui m'a tiré à droite là, alors, je pense qu'on est quand on a regardé celui-ci là. 114.7 hein. Ouais. Paris Info, de Fox Romeo à 9.10, des installations de Golf Solar, pour quitter la fréquence. Et t'as pas droit. On va essayer qu'on va vous quitter sans faire 7000 hein. Ah ben là je peux faire. Transpondeur sur 7000, à tout à l'heure. Ça y est, et là on a une grande nationale, ben là c'est plus la nationale, c'est la... c'est l'autoroute là. Voilà, on se remet 1400. Ok, là on s'éloigne de la zone de Paris, donc c'est mieux. Paris Info, bonjour, novembre 136. Non, parce qu'en fait quand j'avais réglé le VOR, je l'avais mis en stand-by, je l'avais pas mis en actif. D'accord. Et puis moi je l'ai pas vérifié donc... Voilà. Maintenant on se met sur le 310. Paris Info, bonjour, le novembre 136. Novembre 136, bonjour. Voilà. Novembre 24, 136, c'est un bon angle A36 en provenance de Quiberon, en descendant de Quiberon avec 3 personnes à bord. En entrée de votre secteur d'information de vol, au stade de 75, en provenance. 24, 136, reçu, affiché 70, 02. C'est impressionnant. 70, 02, non. Vous êtes identifié en l'an. Bien pris, XA deux fois. 436, vous êtes identifié en l'an. 436. Bon, ben je reprends la track sur celui-ci parce que là. Vous êtes identifié. Reçu, Fox, en Romain Alpha. Bah non, il avait du temps. Ouais. Je finissais par croire que j'avais oublié de le... que j'avais pas entendu son... Ouais. Donc, je vais serrer un peu ma ceinture, parce que...
suis un peu maltraité là. Hop. Par les turbulences. Ah, il est là le voir. Ah, ça y est, ouais. Alors, la suivante. C'est 305. Fox Novembre Alpha. Fox Novembre Alpha, j'écoute. Novembre Alpha, contactez Chevreuse sur 19.3, sur 7000. On contacte Chevreuse sur 119.3 avec 7000 de profondeur. Merci à tout à l'heure, Fox Novembre Alpha. Chevreuse, info de Fox Golf Novembre Alpha, bonjour. Fox Novembre Alpha, bonjour. Fox Novembre Alpha, DR400 en provenance de Logne à destination de Saint-Cyr-l'École. Alors on est à 1400 pieds QNH au vertical du joueur de Rambouillet. On est deux personnes à bord. Fox Novembre Alpha, identifié, transpondeur 4450, le QNH ADC 1022, rappelez pour quitter. 4450 QNH 1022, Fox Novembre Alpha. Tu vois au land en face là? Alors attends, on est bien au QNH 1022? Ouais, je suis 1022, ok, merci. Alors au land. Ah, je pense que c'est ça. Ouais, j'aperçois, ouais. Tache un peu bleu dans le vert. Là. D'accord, on n'a pas mis le point HOL tout à l'heure. Ouais. Donc on quittera légèrement avant ouais. HOL. T'as mis le Latisse 1 Latisse, non, j'ai pas mis 131.025. Fox Novembre Alpha, trafic Cessna, travers droit, 2 nautiques, route droite-gauche, 200 pieds bas. C'est reçu, on n'a pas visuel sur le trafic sur Novembre Alpha, on surveille. Donc 200 pieds bas, droite gauche. 2 nautiques. Hein. Donc je tiens le 1500 pieds, sinon on va y dire bonjour. Il m'a pas dit à vos 3h, à vos 4h, etc. Donc je sais pas où regarder en fait. Fox Novembre Alpha, le trafic a croisé. Ah, reçu Fox Novembre Alpha. Bon, j'ai rien vu. Hein. Pas non plus. Ok, donc on arrive, on va quitter là. Pas tarder, ouais. Enfin, on va écouter la tisse déjà. Donc on peut le monitorer. Alors, je sais plus comment on fait ça. Alors, en principe. On appuie dessus et on fait MOF. Attention, une seule sonde disponible à l'avitaillement. Attention, la fréquence sol est active. Attention, risque arrière. Vent 322.52, visibilité 10 km, température 26 degrés. Québec en Bretagne 1022, kilopascal 1022, coucher du soleil 19h42 UTC. Informez Saint-Cyr au premier contact que vous avez reçu l'information Golf. Ah, Golf ici aussi. Golf enregistré à 13h10 UTC, piste 25 en service. Attention, une seule pompe disponible à l'avitaillement. Attention, la fréquence sol est active. Attention, risque arrière. Vent 322.52, visibilité 10 km, température 26 degrés. Québec Lambretelle 1022 hectopascal, unité 022, coucher du soleil 19h42 UTC. Informez Saint-Cyr au premier contact que vous avez reçu l'information Golf. Ici Saint-Cyr, information de votre enregistré à 13h10 UTC, piste 25 en service. Attention, une seule sonde disponible à l'avitaillement. Attention, la fréquence sol est active. Attention, risque arrière. Vent 322.52, visibilité 10 km, température 26 degrés. Québec Lambretelle 1022 hectopascal, unité 022, coucher du soleil 19h42 UTC. Informez Saint-Cyr au premier contact que vous avez reçu l'information Golf. C'est l'info, Golf-Tango, bonjour. Golf-Tango, bonjour. Identifié, rappelez pour le retour. Rappel pour le retour, Golf-Tango. Fox Novembre
Alpha, ce serait pour quitter la fréquence, on va passer avec Saint-Cyr. Reçu, novembre Alpha, transpondeur 7000, quitté à plus tard. Transpondeur 7000, on quitte à plus tard, merci Fox novembre Alpha. Fox est là, 29 en service, avec un vent du 320 à peu près. Chevreuse et Fox Retailer Jet Golf, bonjour. Fox Jet Golf, bonjour. On prenait le transport à 3704 Jet Golf, un trafic Cessna dans vos midi, un nœud vente vers l'ouest, 200 pieds bas. J'ai pas visé le trafic, mais j'ai vu le Jet Golf. Et plutôt dans vos 1h, route vers l'ouest, 200 pieds bas. Je vais monter à 2000 pieds si vous êtes. Reçu Fox, Fox bravo, et bien donc passons derrière le HR 206 sur Delta 3, de la position traversée les deux pistes, niveau face au ventre, autorisé décollage, vent du nord 2 à 9. Les deux pistes passent direct derrière l'avion, face au 25, je décolle, transpondeur Romeo. Transpondeur Romeo, pour quitter la fréquence. Romeo, transpondeur 7000, c'est la fréquence à plus tard. Transpondeur 7000 et je quitte la fréquence. On y va, on appelle ? Ouais. Saint-Cyr de Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, bonjour. Fox Papa Kilo Hotel Saint-Cyr Tour, bonjour. Maintenez le point d'attente, je vous rappelle. C'est le Fox Novembre Alpha qui appelle ? Affirme, Fox Novembre Alpha. Ouais, je vous écoute, Novembre Alpha. Alors, Fox Novembre Alpha, DR400 en provenance de Logne à destination de vos installations, on est à 1500 PQNH. On est à 5 minutes de l'entrée ouest, donc deux personnes à bord. Fox Novembre Alpha Transpondeur 4080. 4080 en transpondeur Fox Novembre Alpha, et c'est notre première visite sur le site. Bon, super. Ça va, vous pouvez transiter, niveau piste 1, 9 gauche, autorisé décollage, vent 350 degrés, 2 nœuds, maximum 9 nœuds. On s'aligne, on décale. Novembre Alpha, donc par l'ouest, rejoignez une vente arrière main droite, piste 29, et rappelez à 30 secondes de croiser les axes pour la vente arrière. Donc par l'ouest, on va rejoindre la vente arrière 29, on rappellera 30 secondes de la croisée des axes Fox Novembre Alpha. Et est-ce que vous pourriez répéter le transpondeur s'il vous plaît pour Fox Novembre Alpha? Fox Novembre Alpha, trafic J3 sort à l'ouest sans s'opposer. Reçu Fox Novembre Alpha, on n'a pas visuel, on surveille. Fox Québec Zulu, un trafic DR400 intégré par l'ouest sans s'opposer. Il y a le temps de Fox pour quitter. Dans le Fox quitté tout à l'heure. À tout. Zulu Novembre, on est prêt au point d'attente 29 gauche. Bonjour la tour. Bonjour Zulu Novembre, alignez-vous piste 29 gauche derrière le DR221 au départ, attendez derrière. Adieu, il y a le 221, on attend Zulu Novembre. Fox Québec Zulu, Saint-Cyr. Fox Zulu, Saint-Cyr. Québec Zulu, j'écoute. Oui, Québec Zulu, un trafic DR400 intégré par l'ouest en sens opposé. Merci à France Trafic, Fox Québec Zulu, j'arrive en sortie secteur ouest pour quitter. Quitter Québec Zulu, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fox Bravo, quitter à tout à l'heure. Je quitte à tout à l'heure, merci. Pas de visuel sur le bazar. Fox Zulu, novembre, piste 29 gauche, autorisé décollage, vent 180 degrés 3-2. Autorisé décollage 29 gauche, novembre. Ok, le terrain est à droite là-bas. Ok, ça marche. Ok, je commence à ralentir parce que là, ça fait chaud. Donc je maintiens le 1500 pieds, mais je ralentis. Alors la croisée des axes... On y arrive, je te le dirai tout à l'heure. C'est quand on verra, quand on sera au-dessus de la forêt en fait, la croisée des axes. D'accord, ok. Fox Novembre Alpha, ce sera un complet, c'est sûr. Affirme Fox Novembre Alpha. Attention. Saint-Cyr de Fox Alpha Delta, rebonjour. Fox Alpha Delta, Saint-Cyr, rebonjour. De retour de local par l'ouest avec Golf pour intégration. Fox Alpha Delta, transpondeur 4421 par l'ouest en 13 ans arrière, main droite, piste 29. Un trafic J3 vient de quitter à l'ouest en sens opposé. Un autre trafic DR221, fin de montée initiale pour la sortie ouest. Rappel à 30 secondes de croiser les axes.
44-21, je rappelle à 30 secondes de croiser les axes, faut que ça fasse le temps. Donc c'est novembre, il fait un trafic d'air 221 sans monte initiale pour la sortie ouest, sens opposé, il est dans vos midi pour un nautique et demi, 300 pieds bas en montée, un autre trafic HR200 vire en vent traversier, tour de piste, rappelez vent arrière. C'est reçu pour les trafics, on surveille et on rappellera vent arrière 29 fois que on est 30 secondes. Ce Papa Kilo Hotel, un trafic d'air 400 arrive par l'ouest, il est dans vos midi, un nautique, il va croiser les axes bientôt, 300 pieds. Visuel, Papa Kilo Hotel. Ok, je descends 1200 pieds, on est sur Rennes-Moulin là. Fox, normal ça, 20 secondes de la croisée des axes. Reçu, vous allez croiser le DR 221 précédemment signalé, rappelé en vent arrière par l'ouest de Rennes-Moulin. Visuel sur le trafic, on rappelle vent arrière, ouest Rennes-Moulin, Fox normal ça. Tout avant, vent arrière pour un complet retour point d'attente. Reçu, Fox Zulu novembre numéro 1, rappelé final piste 29 droite. Rappel final piste 29 droite et on continuera avec des complets retour point d'attente, tout avant. C'est reçu. Ok, 2000 tours. La pompe, la réchauffe, un cran de volée, confirmé. Papa qui veut identifier un autre trafic Sportstar, encore à 3 nautiques en entrée ouest, sans s'opposer. 1200, Papa qui veut identifier trafic d'air 221, sortie ouest, sans s'opposer. Dans vos 11 heures pour 2 nautiques et demi, 200 pieds haut. Visuel sur l'avant arrière. Bien reçu, Fox Alpha Delta. Alors, Red Bull 1 juste sur mon avant droit. Visuel Saint-Cyr. Waouh. Donc Red Moulin. Ouais, c'est ça. Il y a un trafic là-bas. Ouais. Blanc. Donc je vais virer à droite sur un 113. Ouais. Donc ça c'est Red Moulin. Ok, tu me dis quand je l'ai bien enroulé. Okay. Ah, quand je l'ai bien pris. Non, tu continues. Ouais. Tu peux commencer ton virage. Et là okay. Tu me dis quand t'es prêt pour la radio, vent arrière. Ouais. Non, 10 secondes. Dès que je me suis aligné, c'est front vent arrière. Donc fais gaffe, hein, parce que la zone de Paris, ouais. Elle bifurque vers nous comme ça. Tout à fait. J'ai visuel sur la base. Ok, un 113, pas de vent quasiment. Ok, 115, c'est bon vent arrière. C'est bon vent arrière. Passant en alpha, vent arrière 29. Donc c'est novembre alpha numéro 2, trafic précédent en base, un HR200, rappelé final, piste 29 gauche. Visuel sur le précédent, numéro 2, on rappelle final, piste 29 gauche, Fox novembre alpha. Donc c'est Zulu novembre, piste 29 droite, autorisé atterrissage, vent 60 degrés 3-2. Autorisé atterrissage, 29 droite, c'est devant. Ok, 1200 pieds. Alors, les tarifs. On arrive à l'ouest. Bien. Papa qui l'hôtel transpondeur 7, il quittait à tout à l'heure. Je vais sur la piste. Oui, on quitte à tout à l'heure. 115, on est bien dans l'avant arrière. Un cran, la pompe, la réchauffe. On est bon. On va chercher 700 pieds. On est sur la droite, c'est ça? Ouais, sur la... À droite. Non, sur la gauche. Non, il a dit droite, non, enfin il y a un gâteau, je sais pas. Fox novembre alpha, vous pouvez confirmer la piste pour nous? Fox novembre alpha, rappelez final, piste 29 gauche. Ok. Rappelons final, piste 29 gauche, Fox novembre alpha. Oh putain, je suis un peu... novembre, là, 29 gauche, c'est... dégagé, c'est pour la ouais, faut que tu... effectivement. Donc c'est nous novembre, les Charlie, rappelez plus pour l'attente, piste 29 gauche. Il m'a eu le truc. Me disait aussi, ça me paraissait bizarre. Donc 29 gauche, ok, j'ai un visuel. Oui, 800 pieds, c'est bon, voilà, je suis sur la base. 780 pieds, je maintiens. 70 nœuds. Ouh, le piaf. Donc novembre alpha piste 29 gauche, autorisé atterrissage, vent 220 degrés, 6 nœuds, maximum 10 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 29 gauche, Fox novembre alpha. Donc les deux crans. Alpha delta, 30 secondes de la croisée des axes. Alpha delta, rappelez vent arrière. Rappel vent arrière, alpha delta. Passons 10 nœuds, on est bien, je réduis gentiment. Table, 68 nœuds. Parfait. Il réduit tout, il arrondit. Sous novembre, on est prêt au point d'attente 29 gauche. Donc c'est Zulu novembre aligné, vous piste 29 gauche et attendez. On fait 29 gauche, on attend Zulu novembre.
On freine gentiment. Ok, vitesse contrôlée. Et on dégage par delta. Oxono, Ombre Alpha, dégagé par la prochaine à gauche en Delta 2. Et une fois sur Delta, contactez le sol. On dégage par Delta 2, on contacte le sol, Oxono, Ombre Alpha. Donc, le sol... Attends, je vais m'arrêter, je vais te dire ça. 121-95. Oxono, Ombre Alpha, piste 29, gauche, autorisé décollage, 260 degrés, sine, ouais. Maximum 10 nœuds. Je suis avec le sol. Bah, en vrai, attends, je souffle un peu. Alors j'ai fermé ça, on va fermer. Et un peu d'air. Ça fait pas de mal. Le sol de Fox, novembre Alpha, piste 29 gauche, dégagé pour rouler au parking. Bonjour novembre Alpha, est-ce que vous avez une préférence pour le parking en herbe et le parking restaurant dur? On va prendre le parking dur, le Fox, on va voir ça. Monsieur, bien rouler Delta jusqu'au parking travers restaurant. Ok, on roule Delta jusqu'au parking travers restaurant, merci Fox en Alpha. Alors, il y a un Fox, avec Fox, rebonjour. Rebonjour. Fox, Golf, bravo, Victor Papin, un DA-700 aux pompes, ce serait pour un vol à destination de Deauville avec information Fox pour la sortie Nord. Victor Papin, transpondeur 44, route point d'attente, c'est 29, cher à peu près. Profondeur 44-10, on roule jusqu'au point d'attente pour la pièce 29 gauche, on rappellera après, vite à peu près. Saint-Cyr de Fox Québec Novembre, bonjour. De Québec Novembre, Saint-Cyr, bonjour. Fox, bravo Fox Québec Novembre, J3 au parking Tissandier avec l'information Gold, demande roulage pour quelques tours de piste. Québec Novembre, il a laissé rentrer un appareil au parking qu'on ne voit, puis rouler point d'attente de 29 gauche, rappelez près. Je laisse passer l'appareil qui va vers Courbevoie et je roule, j'ai le copain à la tente 29 gauche, je rappellerai de près. Sauf Québec Novembre. Courbevoie. Sur Fox, on arrive au parking Courbevoie, éventuellement après l'avion. Tu as une 3 heures pour se diriger vers les pentes et d'en avec qui en a plus qu'un. Ça m'a fait connu, ça sert à Fox. Ouais, tu vas faire un Fox. Sur la fin, c'était calme sur le milieu, puis à la fin, ça, c'est... ça se redensifie. Et moi, je me suis fait avoir par l'espèce de truc rond là qu'il y avait au-delà du... Comment on appelle ça? Au-delà du lac. J'ai vu le truc, j'ai dit on passe dessus, ça m'a étonné un petit peu, tu sais. Et puis, si. Bon. Ouais. Bon, bah, disons, on s'est fait secouer là. Et j'y crois pas. C'était dur, hein. Ouais, hein. Enfin, dur, je sais pas, mais c'était... Enfin, ouais, c'est... ça secoue. Ça secoue, la vache. Ça secoue. Ah ouais, impressionnant. Ah, un peu de courant d'air. Bon, ben me voilà en vrai à Saint-Cyr, pour une fois. Bienvenue. Ouais. Ben, je dis ça par rapport à tout ce que j'ai pu y voler en virtuel, quoi. Ouais, ben ouais. Ça doit te faire du bien de voir enfin cet endroit. Ben ouais. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en finale, je me disais la piste droite, la piste gauche, la piste droite, la piste gauche. Mais elle est où la gauche de la droite? Heureusement qu'il y avait l'avion sur le taxi au milieu. Hein. Ouais, je me posais des questions sinon. J'ai dit, bon, si lui il est au milieu, ben c'est qu'il y a la gauche. Et effectivement, je l'ai vu. Enfin bon, satisfait du vol? Ouais, très bien. Franchement, très beau vol. Bon, bien joué, commandant. Merci, monsieur. Merci, copilote navigateur. Bon, allez, et on va rejoindre notre amie contrôleuse. À tout de suite.